kupilisha yeah. Wamitibanga langu suruali boy, yeah. Tamakini si ulinda mwili wao baby utoto ngani ngie masera. Wawe mzuri kweli wo imama utautonge penda. Jungi mzani wamiwa tikubali unifanye pia zota. Bweni wamiwa waini ira waminto jarende. Sapati, chanson d'amour issue de votre concept Maharamia, partie 1. Partie 2 sortira sur les réseaux vendredi. Ouais. Mais d'abord, c'est quoi ce concept? C'est quoi Maharamia? Ce concept Maharamia, en fait, justement, tout à l'heure, on parlait de la jeunesse. En fait, c'est, en fait, moi, ma musique, c'est pour motiver les jeunes. On s'amuse, on se fait des rappels et ainsi de suite, en fait, on fait comme ça. Et Maharamia, en fait, ça suit cette logique-là. Pourquoi Maharamia? Tout simplement, c'est une étape d'esprit. Maharamia, vous, par exemple, vous êtes une Maharamia. Par exemple, quand on vous voit à la télé, on est contente. On se dit, c'est la réussite. Maharamia, c'est dans ce sens-là. D'accord. Et vous avez fait d'ailleurs un EP hein, il y a un an. Pourquoi ne pas sortir un deuxième EP, mais sortir en fait, quelques clips là, comme ça? Justement, là, c'est des petits, enfin, c'est des EP. Des d'accord. projets à 4 titres ou 5. Et parce qu'on a remarqué, mon équipe et moi, que notre public, elle ne consommait pas la musique comme il le fallait. Parce que, par exemple, on sort un mixtape, une mixtape qui a 15 titres, par exemple, les gens n'ont pas le temps d'écouter tous les sons. Du coup, là, maintenant, on a choisi de sortir 4 titres sur chaque projet. On sort des petits EP tous les 4, tous les 5 mois. Oui, parce que la jeunesse consomme très, très vite. Exactement. Donc, il faut les tenir en haleine, en fait, exactement. C'est ça. Exactement. La musique, elle se consomme très vite de nos jours parce qu'on a tous accès à YouTube, toutes les plateformes. Du coup, en fait, aujourd'hui, on écoute la musique qu'on aime. D'accord. Alors, il y a pas si longtemps que ça, je vous avais reçu sur le plateau il y a plus d'un an. En tout cas, vous me disiez que vous ne viviez pas encore de votre musique. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, on essaye. On essaye, on entreprend des choses pour justement vivre de la musique. Mais c'est pas encore, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a que votre musique qui vous fait vivre. Il n'y a pas que la musique, en fait. Alors, vous avez été nommé, je l'ai vu, comme d'autres artistes maorais, au Mauritius Music Award, qui récompense les artistes de la région. Vous êtes nommé dans la catégorie Best Island Artist Mayotte. À quand les résultats? Ça, par contre, je ne sais pas. Alors, je vous l'apprends. Ce sera au mois de mai. Mais est-ce que, pour le coup, vous vous déplacerez à Maurice pour recevoir le prix? Si je gagne, oui, bien sûr. Alors vous, contrairement à d'autres artistes hein, qui passent du français au maorais, vous avez fait le choix de chanter qu'en maorais. Pourquoi? C'est un choix personnel parce qu'en fait, j'estime qu'on a une belle langue. Et aussi, juste parce que pourquoi les autres le font, nous, on ne peut pas le faire. Est-ce que ça ne peut pas être un frein à l'exportation de votre musique? Pour moi, personnellement, ce n'est pas un frein parce que quand on a nos voisins comme des Burna Boy ou Diamond, par exemple, qui chantent en Swahili, c'est des artistes internationaux maintenant. Donc, pour moi, donc Terrell sera un artiste international demain avec le Chimaoré. Alors, vous parlez d'amour, de femme, de désir de l'autre pour finir. Et j'ai vu aussi que le rapport à la chair est quelque chose de très important dans vos textes. Rapport à la chair? Oui. Pourquoi? Qui n'aime pas ça? Merci beaucoup, Terrell, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que samedi, vous êtes à Chirongui, à Bangabé, d'ailleurs, avec oui, Youbé. Merci beaucoup. Fin de cette